Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo. Et oui, nous sommes en convoi ETS, donc nous attendons DX pour nous rejoindre. Péage à 150 mètres. Du coup, voilà, on attend DX qui nous rejoigne sur le serveur. À faire Y espace pour ne pas se faire kick. Donc voilà. Donc Mehdi, pour info, on attend DX. Parce que tu dois te demander pourquoi on a un arrêt. Il est avec vous, Raven? Non. Non. Que je le vois dans le table. Non, non, il est pas avec nous. Il est passé devant nous il y a à peu près 5 minutes aussi. En plus, il va de l'autre côté, il vient pas du même côté que moi parce que. Bah, dès qu'on le voit. Et si, regardez. Voilà, on te voit là, on te voit. Et vous êtes où là? Un peu plus. Après la station service, un peu après. Là, on va réparer la vitesse à 60 km/h. Attends, je fais le plein moi. Ah oh bah, tu rattrapes. Tu rattrapes, c'est pas grave, DX. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, roule. Parce que tant qu'on repart. DX, il passe devant moi. Bah ouais, parce que bon, vu que t'as des problèmes oui. Vu que t'as des problèmes Jesse de connexion. J'arrive à 200 mètres de Jesse Tipol. C'est qui le dernier? Il a la remorque entreprise. Ouais, c'est moi, c'est moi. Non, c'est Jess. C'est Jess. Attention au camion qui vient de face. Et respecter la limitation de vitesse. Donc voilà, on roule tranquillement. Un camion qui double. Ah, c'est deux. Eh ouais les amis, c'est moi qui est là. Oh le vieux macho avec son gros V8 derrière là. T'as pas fait ça DX. De dépasser tout le monde, t'as pas fait ça. Bah non, tu me connais. Mais non, c'est pas mon genre. Ah non, pas du tout, pas du tout. Par contre, je trouve qu'on se traîne maintenant. De quoi? On se traîne un peu, non? Mais non, mais non. Tu sais, Jesse, déjà, regarde. À 60 km/h, on le perd. C'est sûr. Regarde-moi ça. Mais je suis bien. Tu regardes le tab, tu fais « Allez, salut !» Mais dis, je le colle, hein. On passe à 80, il est mort. Jess. C'est un Mercedes que t'as comme King Roy? Non, c'est un Scania. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, si, j'ai un Scania. Donc, on voit passer une vitesse de 80 km/h. T'arrives dans une zone de radar et tu accélères.
Bon, enfin, je sais pas si c'est un radar, mais il y avait le truc. Les radars ici sont désactivés. Bah, là, moi aussi. Ouais. Là, c'est plus la biche que le radar que tu risques de croiser. Bon, il y en a pas d'animaux qui traversent ici. Bah, non, mais heureusement, parce que là, tu pourrais en avoir. Donc, on est un peu dans la forêt. Tu m'étonnes. Et t'imagines, tu dis ça et au même moment, t'as quelque chose qui traverse une pile et au final, c'est un camion qui traverse la forêt. Qui a bug. C'est ça. Prochaine intersection, le convoi partira à gauche. Vous êtes bien à 80 parce que là. Je pense qu'on perd Jet là, attends. Ouais, je vois ça qu'on le perd. Hein. Bon. Mais comment ça se fait qu'il avance pas? Bah, je sais pas. Mais hey, je suis à 95, je m'en rattrape pas. C'est quoi le camion que t'as acheté? C'est. Un FH16. Le convoi passe à 50 km/h afin de passer la ville. Jordan. Ouais, on va s'arrêter, mais ça dépend où il est, hein, parce que sinon. Jess, t'es où? Le convoi s'arrête sur le côté. Attends, il y a un parking plus loin. Regarde où il y a le truc de mécanique. Va tout droit. Et la prochaine à droite. Petite visite du coin. C'est bon, Jess? Ah ouais, ouais, c'est bon. Hein. Donc on va reparler une vitesse de 50 km/h. Au stop, nous prendrons à droite.
Jordan. Téléphone au volant DX. Ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Le convoi passe à 70 km/h. Jess, on te perd. Mais je suis là, moi. Il a disparu, Mehdi. Le convoi passe à 80 km/h. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Je suis à 96, je vous rappelle. Attention véhicule en face. Attention véhicule en face. Alors Dex, c'est bien les petites routes comme ça là. Ça évite de prendre toujours l'autoroute. Attention, et respectez la limitation de vitesse. Putain. Est-ce qu'on vient d'heure Le convoi passe à 50 km/h. Tu freines comme ça, toi. C'est le régulateur qui me freine. Pourquoi t'es repassé à combien là? Pourquoi t'es redescendu à 50, 50 pardon? À cause de l'angle droit. Oh. Attention. Il respecte l'imitation de vie. Celui-là, tu le prends à 80, je sais pas comment tu finis là. Si, regarde, je suis en train de chauffer les pneus, moi. Un crochet de l'air. Ouais, et là, c'est un. T'indiques pas l'intersection? Bah écoute, y'a pas 36 solutions. Pourquoi c'était route barrée de l'autre côté? Ouais. Là, je sais pas, moi je te suis, mon petit père. Le convoi repasse à 70 km/h. Attention à l'absence de marquage au sol, roulez à droite. Roulez à droite. Dans ce sens-là? Non, DX. Non, derrière moi. Attention, angle droit, ralentissement du coin. À 50. À 50. Tournez à gauche. Attention, et respectez la limitation de vitesse. Au giratoire, nous irons à gauche. T'es pas obligé de faire le feu rouge, hein, King Roy. Non, je l'ai pas fait. Ah, je croyais que t'avais pris. C'est pour ça que j'ai ralenti. Veuillez respecter la limitation de vitesse. On fait tous un tour.
Non, mais le temps que vous arriviez, voilà quoi, je me suis offert un petit délire. Bah, tu vois, moi aussi j'ai envie de faire mon délire. Tout le monde doit faire un tour de Tout le monde doit rond-point. faire un tour de rond-point. Tu sais le connard. Y a que les meilleurs qui ne feront pas d'accident, ADX. Bah ouais. Et J'ai là, pas fait d'accident y moi. a tout le monde qui se crache dans le rond-point. C'est ça. Le convoi est toujours à une vitesse Le de convoi est toujours à une 50 km/h. vitesse de 50 km/h. À tourner à droite. Enfin que tout le monde ait fait son petit Enfin tour. que tout le monde ait fait son petit Tour tour. de rond-point. Tour de rond-point. Ah, ça a tapé. Ça va, Jess? T'es vivant? Ah ouais, bah y a plus personne. Non, c'est juste que j'ai doublé mes jeans. On va attendre qu'elle rattrape. L'arrière du convoi roule un peu plus vite afin de rattraper l'avant, s'il vous plaît, merci. C'est les accélérations avec lui-même, je suis à 21 tonnes, c'est pour ça que j'avance pas. 21 tonnes? Ouais. Ah, c'est pour ça que t'arrives pas à rattraper. Ah ouais, c'est pour ça que j'avance pas. 20 tonnes. Dû prendre 14 comme vous. Ah ouais, mais je dis pas, il y avait que une livraison Calais et une tonne. Il y a combien de tonnes? 21. 21. Ouais, c'est pour ça que j'avance pas. Bah moi j'en ai à 21 tonnes et j'avance très bien. T'as un Scania, lui il a un Mercedes. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas les mêmes valeurs. Le convoi va passer à une vitesse de 70 km/h. 70 km/h. Tu aurais dû prendre un Volvo ou bien un Scania. Hier j'étais en Scania, mais c'était pas les bons. Alors, ouais. Ah, Scania, ça calme. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Non, mais hier j'étais en Scania S. Hein. Respecter la limitation de vitesse. Et respecter la limitation de vitesse. Jordan, il reste combien d'heures de route là? Il y a encore 1324 km. La limitation de vitesse. Moi je vois 7h30. Moi ça me fait monter direct à Calais alors. Ralentissement du convoi. Mesurant face au rond-point. Mais dis en terre. Dis en terre. Sortez maintenant. Ah bah j'ai plus de vitesse. Ah. Moi si vous voulez rattraper. Cherche d'un nouvel itinéraire. Il y a un médic qui parle dans un. Ok, pas de soucis. Pas de vitesse. Mais dis, s'est arrêté. Ouais. Et l'accélération, bah, elle est pourrie. Le convoi repasse à une vitesse Le de convoi repasse à une 80 km/h. vitesse de 80 km/h. Vitesse. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. C'est pour découvrir la station. Tournez à gauche. Itinéraire en cours. Et respecter la limitation.
limitation de vitesse. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Par contre, je suis à 90, je ne rattrape personne. À 90, on est à 70 de temps. 75, 95. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Attention, ralentissement du convoi. Attention, ralentissement du convoi. Prochaine intersection, nous irons à droite. Nous irons à droite. Attention derrière, Déox. Pourquoi, qu'est-ce que t'as toi derrière à chaque fois? Attention, et respecter la limitation. Après l'intersection, le convoi va passer à une vitesse de 80 km/h. Attention, prochaine intersection, nous partirons à gauche. Ralentissement du convoi à 50 km/h. Le convoi reste à une vitesse de 50 km/h. Bon, Jess, mais je sais pas, mets de l'alcool dans le réservoir là, que ça aille plus vite. Tournez à gauche. Au pire, je peux changer un million. Mais à la prochaine ville, quoi. Il y a quoi comme concessionnaire à la prochaine ville? Déjà, faudrait savoir à. Où on s'arrête, prochaine ville. Parce que je sais pas par où on va passer là. Donc on va repasser une vitesse de 70 km/h. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Nous allons arriver à un rond-point. Nous prendrons la première sortie. Pire à Nantes, il y a un garage. Bon, moi, j'achète un garage. La quatrième sortie. Et je change de camion. Si tu veux. La limitation de vitesse. Au prochain rond-point, nous irons à gauche. Attention, à gauche. Veuillez rechercher la nouvelle nation RMS. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Le convoi est toujours à une vitesse de 80 km/h. N'hésitez pas à rouler plus vite pour ceux qui seraient en retard. J'entends, t'as plaqué là.
De quoi? T'as lagué. Ah ouais? Tu m'as vu laguer? Ouais. Attention, et respectez la limitation des... Le convoi passe une vitesse de 50 km/h. Jess, je crois que sa livraison, elle est out. Elle est morte. Elle comptera pas pour l'entreprise. Quoi? J'ai pas dépassé les 100, hein? Ouais, pour l'instant. Donc on va repasser à une vitesse de 70 km/h. Prochaine intersection, nous irons à gauche. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Préparez-vous à tourner à gauche. Prochaine intersection, nous irons à droite. On dort à moitié, moi, le chien. Tu dors, DX? Carrément. J'ai failli me bouffer le poteau. Non, t'es pas sérieux. Si. Fatigué? Attention. Oh, bah, hey, moi j'ai travaillé ce matin. Ah bah moi j'ai travaillé cette nuit. Au rond-point, prenez la première sortie. Au deuxième rond-point, nous prendrons la première sortie. Attention, nous arrivons à un péage. Ne prenez pas le péage, tout à droite. Parce que sinon, tu te prends la barrière. Le convoi restera à une vitesse de 50 km/h afin de rentrer correctement sur l'autoroute. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Il nous reste actuellement 1118 km. Crash Jordan. Ouais, je t'ai vu crash aussi, DX. Non, moi j'ai juste bouffé la barrière pour que tu je tape pas dedans. Ah, parce que je t'ai vu lag en plein milieu. Le convoi passe à une vitesse de 80 km/h à l'entrée de l'autoroute. Mehdi, on t'entend pas. Est-ce que quelqu'un l'entend correctement sur la CB, Mehdi? On peut s'arrêter à Brest. La CB, moi, je ne l'utilise pas parce que je suis passé du canal 18 au canal 1. On s'arrête à Brest de toute façon, Mehdi. Donc on va arriver à un péage, attention ralentissement du convoi.
limitation de vitesse. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Tu voudras faire une pause de musée à Brest ou tu t'arrêtes total? Il nous récupère à Brest. Ok, Dak. Ok, Dak. Le convoi reprend une vitesse de 80 km/h. Ira toujours plus loin jusqu'aux prochaines informations. Jusqu'aux prochaines informations. DX, le coup de pute. Tu te serais pas rabattu assez tôt, il y a King Roy qui faisait youp, allez, il montait je sais pas trop où. C'était drôle. J'ai pas pris la sortie. Non, tu vas toujours tout droit. T'as pris le péage? Oui, là le péage. Ouais, bah, dès que tu rentres sur l'autoroute. Allez, Déops, portez à droite. Tu vas toujours tout droit. Hein. On ne te voit plus. De toute façon, je suis allé à 100. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Du coup, tu rattrapes, Jess? Ah ouais, du coup, je dépasse les 100 aussi. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Tenez la droite et sortez à droite. Donc on voit pas ça. 70 km/h. Recherche d'un nouvel itinéraire. Tiens, si je me suis mis à 70 pour que tu puisses rattraper. Attention. Je te vois clignoter sur le tab. Moi aussi, je vous vois une fois sur deux. Ah, c'est bon. Ah, c'est plus bon. Attention, vous pouvez respecter la limitation de vitesse. Le pire, c'est que je suis à 110. Vas-y, viens à côté si tu veux. DX. Quoi? La bande d'arrêt d'urgence n'est autorisée que pour c'est les bon. Urgences. Eh bah, c'est une urgence, regarde, on essaye de te pousser avec King Roy. Et Mehdi veut passer entre les deux, vas-y Mehdi passe. Les dépassements sont interdits. Non mais c'est juste pour une photo. Ça peut être sympa. Ouais mais photo en conduisant je te rappelle que tu une capture d'écran. Regarde derrière et fais une capture d'écran. Ouais. N'oublie pas que tu peux pas quand tu roules hein, sur le multi. Ça fonctionne pas les captures. Ouais. Ouais, donc en gros, ce que vous faites là, ça sert à que dalle. Ouais, on s'amuse. Tiens, vous avez vu le parking que c'est à côté? Carrément. Avec des ronds-points et tout, c'est un truc. Bah, comme la dernière fois en fait. Ouais, c'est gros parking. Sauf que là, je crois que c'était pire là. Le convoi repasse à une vitesse de 90 km/h. Et pour info, il est interdit de dépasser et de faire des zigzags au milieu de la chaussée. Il est interdit d'être alcoolisé au volant. Ah, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, j'ai plus de bière. Oh merde, faut que t'ailles faire les courses. Bah non, j'ai acheté une tireuse à bière, elle arrive vendredi. Ah merde. Ah mais tu dois attendre vendredi quoi. T'as dit quoi, Jordan? Tu dois attendre vendredi, c'est ça le problème. Ouais. Et King Roy? Ouais.
Je suis le chef, moi, si je te rassure. Ah, d'accord. Quoi? T'as dit quoi, DX? Je suis chef. T'as dit quoi? Il a dit que... Moi aussi, je suis chef. Ah bon? Ah bon? Ah merde, il y a test d'alcoolémie. Bon, ça va, je passe, moi, aujourd'hui. Certains convois, je pourrais peut-être pas passer, mais là... Attention, ralentissement du convoi, section à travaux, nous passons que sur une seule voie. Voie de droite. Oh bah, Jesse Paul, t'inquiète pas... Le convoi passe à 60 km/h. Et les gars, vous avez oublié le test urinaire. Il nous fait chier le patron à rouler à 60. C'est limité 70. T'as dit quoi, Dix? Hein? T'as dit quoi? Que tu m'emmerdes à rouler à 60. Ouais, tu vas voir si je t'emmerde. J'ai juste un clic à faire, Dix. Tu connais ce clic? Le report. Il pète fatal. Carrément. Surtout si tu sais pas, je te filme depuis tout à l'heure en train de faire le guignol, alors... Mais non, tu me filmes pas. Ah bah si. Mais non. Bah si, justement. Et tu me filmes où? Disons que là, il y a un tournage de vidéo, donc... Donc voilà. Yes. Donc, on va repasser à une vitesse de 90 km/h. Ouais, d'accord, on fait comme ça, ok, pas de problème, j'arrive. Vite. Vas-y. Attends, j'enlève le frein à main, ça va aller plus vite. Ah, tu roules avec un frein à main, toi? Bah oui, parce que vu que le chef est devant moi, il faut que je mette le frein à main. Bah allez, du gaz. Nous venons de passer la moitié du convoi. Attention. 101, ça passe ou pas? Ouais. Non, ça passe pas. Non. Je crois que ça passe, mais pas sûr. Non, ça passe pas. Patron, je veux pas dans ça. Oh, tant pis, au pire. Le meilleur, je pense que je m'arrête à Brest, moi. J'en ai déjà plein le cul. T'es sérieux, DX? Ah, je suis fatigué, moi. D'habitude, t'es là du début à la fin, et là, tu t'arrêtes à Brest. Ouais. T'inquiète pas, dimanche, je serai là sur Farming. Ouais. Normalement, si j'ai rien de prévu. Parce que je vais peut-être chercher une voiture aussi dimanche, alors... Ah. Tu vas chercher une voiture le jour de l'inauguration du serveur. Bah, malheureusement, c'est pas moi qui choisis quand on va chercher les voitures. De toute façon, ça sera... Ça reste à Brest ou pas? 14h30, je crois, c'est 14h30 sur Discord, tout le monde présent sur Discord. Et 15h, je clique sur le bouton fatal. Open. H24, 7 sur 7. En plus, tout est prêt. T'es arrivé, mon tracteur? Ton tracteur est arrivé. Dario? Normalement, est arrivé. C'est pas moi qui m'occupe de... Ouais, je sais, c'est Valentino. Rajouter les modes. Et j'ai un mode à revoir avec toi pour voir, parce que j'en ai un qui est super bien. Et bah pour les mélangeurs, la totale ration mélangée. Et bah tu viens me voir en privé. Tu me l'envoies en privé. Faut que je passe dans ton bureau pour te l'envoyer. Non, tu l'envoies juste en privé. Comme ça, je fais analyse du mode et après, ça sera soumis au sondage. Et après, suivant les retours, et ben, ce sera soit mis, soit pas mis. Voilà, ça dépend. Attention. Nous allons arriver dans très peu de temps à Brest. Pour tous ceux qui ont une livraison, vous pouvez aller livrer et en prendre une autre pour Calais, pour ceux qui continuent le trajet.
Mais on sait à combien de temps on reste? 5 minutes? Ouais, on s'arrête 5 minutes. Pas une de plus. Ah! Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Il y avait mon chien qui m'a gêné. Ah, moi, il est là. Non, moi, il est sur moi, là, tu vois, là, je suis un peu en mode. Je galère. Le convoi passe à une vitesse de 60 km/h. C'est pas quoi comme chien? Un border collie? Jordan! Oh, Jordan! C'est pas faute de dire 60 dx, hein? J'avais mon chien, mon pauvre. Bon, t'inquiète pas, je m'arrête à Brest. Je vais plus te déranger. Pour tous ceux qui ont une livraison pour Calais, on se rejoint à la station service de Brest. Pour tous ceux qui doivent livrer, vous allez livrer et on se rejoint à la station. À la station. Avant le départ pour Calais. Au moins, prenez la première sortie. Sortez maintenant. N'hésitez pas à faire le point si besoin. N'hésitez pas à faire le point si besoin. C'est un nouvel itinéraire. Et si je bloque les deux stations essence, ça fait quoi? Au moins, prenez la quatrième sortie. Déjà, t'as pas à être à la station essence vu que tu arrêtes. Voilà. Bah si, vu que j'arrête, du coup, je fais le plein. Du coup, tu vas te reposer, DX. Ouais. Ok. Et au pire, t'inquiète pas, je jouerai peut-être ce soir ou... Bah ce soir, non, je travaille demain, ça va être tendu. Bon, je sais pas quand. Je vais me garer là pour la nuit. Non. J'attendais que tu me dises quelque chose. Tu jartes? Il devrait mettre nos collisions. Ça va, on n'a pas trop le même camion, King Roy. Pourquoi? Regarde le pare-buffle. Moi j'ai pas mis les trucs, les lumières par contre qui font le contour. Ouais, mais on a le pare-buffle, c'est ouais. Et on a quasiment tout pareil sauf bah, les lumières. Du coup, Mehdi, tu viens à Calais avec nous? Tu viens à Calais avec nous? Bah je sais pas, Mehdi il arrête là. Mehdi il prend une autre livraison, je pense. Non, il vient. Il a dit qu'il venait. J'ai ceci est là avec un nouveau camion. Mais pourquoi t'as pas pris le nouveau modèle Volvo là? C'est mieux, non? Non, je vais acheter le garage à Brest. Oui, mais tu pouvais changer de camion aussi. Mais attends, je vais changer de camion. Eh ben vas-y. Vas-y, doux, ok. Mais attends, Mehdi, on va y passer devant. Si c'est de l'autre côté, on va passer devant. Dis-moi juste le nom de l'entreprise. C'était pour ne pas attendre. Dis-moi juste le nom de l'entreprise. Bon, maman, les gars, pas que je m'ennuie. Bien au contraire. Ok, ça marche. Okay, bon, ça marche. On va y passer. Vous me faites tutut en passant. Ça me fera plaisir. Ah,
Attends, bah du coup, je suis obligé d'allumer ma livraison, je vais aussi. Allez, sur ce. Salut, salut. Ouais, plus que 823 km. Ouais. Ouais, sur ce, à la prochaine. Ok. À plus. Jordan, il y a Mehdi qui est là, mais à vide. Ouais, je sais, on va lui chercher, on va chercher sa remarque, on va passer devant, elle est un peu plus loin. Et Jess, et j'attends, et on attend Jess, quoi, du coup. Bah là, du coup, je vais au garage. Ah ouais, bah on t'attend là, à la station. Bah vas-y, vas-y, Jess, vas-y. Et du coup, King Roy, du coup, bah, tu vas rester sur, je te laisserai sur Discord hein, pour les prochains convois. Tu joues à farming, toi? Je l'ai pas encore acheté. J'ai celui de 2018. J'ai pas encore acheté celui de 2018. J'ai pas trouvé de team avec qui m'insérer. Ok, parce que bah, parce que moi je vais ouvrir un serveur dimanche, donc j'inaugurerai un serveur dimanche farming avec des joueurs de l'entreprise ETS qui seront dans la dans, sur le serveur farming. Donc si ça t'intéresse, il Ah bah oui, bien sûr. y a de la place. Bien sûr, merci beaucoup. Je vais prendre le jeu. Ouais, bah dès que de quoi tu l'auras, bah tu me le dis et puis je te mettrai les grades qu'il faut, je t'expliquerai un petit peu tout le fonctionnement et puis voilà quoi. D'accord, merci beaucoup, d'accord, c'est gentil. Et vous jouez à ATS ou pas? ATS, non. Enfin, il y en a deux de l'entreprise qui jouent, mais c'est rare. Pense à faire Y espace. Oui, Mehdi, tu peux aller au garage en attendant. Et du coup, tu fais déjà partie d'une entreprise, King? Ouais, je suis de la TTFR. Ok. Ah bah oui, c'est marqué. C'est marqué. Connais pas? Bah j'en ai déjà entendu parler de nom, mais sans plus. Tu sais, à force de voir les pubs et tout ça sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment, tu les connais, les entreprises. Et du coup, Jess, t'en es où? Là, je relance l'outil. Ouais, parce qu'on va pas partir à 4h30 hein, de Brest. Mais parce que j'ai spawn à Paris, et Paris, il y avait du people, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Pourtant, je suis le seul connecté, hein. Reste combien de bancs chez toi, Jordan? Il reste 823 km. Ouais,
Ouais, vas-y, Mehdi. Ok, ça marche. Pour la reprise de Brest, faire Brest-Calais à présent. Changer de camion, mais ça sera pas tout à fait la même ouais, pas c'est le pas même grave. Ouais, c'est pas grave. Même couleur mais pas le même motif quoi. C'est le même scanner que toi hein. C'est bon, Jess, on peut y aller? Vous allez. Ouais, normalement. Oui, allez, vous pouvez. Ok, le convoi passe à une vitesse de 50 km/h. Histoire de sortir de Brest. Mais du coup, Jordan. Là, on n'est plus que ouais. Les trois. Non, non, il y a Mehdi qui est parti chercher sa livraison. Ok, parce que j'allais dire, sinon tu peux juste parler sur Discord, tu vois. Attention. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Normalement, là, je devrais pas avoir du mal. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. T'as une livraison, Jess? Non, du coup, j'ai pas de livraison. Ok. Le convoi passe à 80 km/h. Mais tu vois, si on passe par l'entreprise de Mehdi, là, peut-être je vais apprendre.
Nous prendrons la prochaine sortie à droite. Nous prendrons la prochaine sortie à droite. Non, nous prendrons pas la prochaine sortie à droite. Pas la prochaine sortie à droite. Et droit. Tu peux monter à 90. Hein. Attention, veuillez respecter la limitation de la vitesse. Mehdi, on est là. Mehdi, on est là. Fais demi-tour à la prochaine intersection. Fais demi-tour à la prochaine intersection. On va à Baptiste pour Jess. Nous sortirons prochaine sortie à droite. Prochaine sortie à droite. Tu disais quoi, King? Mehdi, on sait comment. Ah, mais Mehdi va faire demi-tour. Donc on l'attend, non? Ouais, mais on va s'arrêter à Baptiste de toute façon pour que Jess trouve une livraison. N'oublie pas de sortir pour Baptiste, Mehdi. Calais. Ouais, Calais. Normalement, je pense qu'il est en fait. Eh ben non. J'ai que deux livraisons. Brest. Ouais, mais je pourrais te faire ça. Brest, Danemark, Brest, Nantes. Et on comptera. Ou bien ailleurs.
Manchester, j'ai pas envie de faire du Manchester. Oh, j'ai du doux. Au pire, j'ai du doux. Ouais, bah prends d'ouvre, Jesse. Comme ça, nous on s'arrête à Calais et puis toi, bah t'as juste à prendre le ferry pour livrer. Ouais, je vais m'avancer un peu pour que vous vous mettiez correctement sur le côté. Tu peux t'avancer, King. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Préparez-vous à tourner à gauche. Vas-y, moi, c'est vous, ouais. Le convoi apparaît à une vitesse de 50 km/h. Attention, nous prendrons l'entrée d'autoroute cette direction. Le convoi passe à une vitesse de 80 km/h.
Tu prends large, Mehdi. Large, ça va mieux, on dirait, Jesse. Mercedes et Scania, c'est pas la même chose. Mais j'étais pas en Mercedes, j'étais en Volvo. Ah bon? Et oui, j'étais en FH16. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. D'habitude, Volvo, ça casse. Hein. Mais c'est pas le tout dernier passage. Donc voilà, petit convoi tranquille qui continue. Des fois me dit et regardez le disque. Mais dit pas besoin de faire un arrestation service. Arrêt du convoi, station service. Arrêt du convoi, pour station Jess. Service. Pour Jess. Mais ouais, je suis à vide presque en fait. Recalcul. Arrêt du convoi. Arrêt du convoi. Allez tout droit. Moi je suis sorti. Attendez les gars, je fais une photo. On en profite. Donc on va reparer à une vitesse de 80 km/h. Thank you.
Le convoi restera à 80 km/h et ira toujours tout droit jusqu'aux prochaines informations. Attention, le convoi se met sur la voie de gauche. Le convoi se met sur la voie de gauche. Nous prendrons direction le Havre, le Mans. Attention, ralentissement du convoi dans le virage. Attention, nous sortirons. Prochaine sortie à droite, direction le Havre. Il nous reste 560 km à l'arrivée au port de Calais. Bah moi je suis à l'arrêt. Hein. Qu'est-ce que t'as foutu? Bah Mehdi il a lag. Ah. T'arriveras à rattraper?
Il est HS ton camion? Peut-être. Fais slash FX. FX. Le convoi ralentit à une vitesse de 60 km/h. De quoi? Qui prend les photos? C'est Jess. C'est Jess, il a son. Il doit avoir son micro trop près de son jeu. De ses haut-parleurs de jeu. Je suis reparti. T'as fait le slash FX? Ah, oh, c'est bon, c'est bon. Ok. Tiens, alors tu sais, peut-être pas 70. Bah, je roule à 60 là. Ok, donc vas-y, bah, reste là. Veuillez respecter la limitation de vitesse. J'ai mis limiteur à 90, alors je peux pas aller à plus. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Yes. Yep. Tu roules la combien hier? 33. De toute façon, je peux pas aller à plus de 90 dans les descentes. Vas-y. Non, mais je vous vois sur. T'as combien de temps sur le dos? Bah, il est là, il est sur le tab, King. Il me rattrape. C'est comme Jordan, comment on fait pour être pris sur le table? De quoi? Comment on fait pour être pris sur le table? Genre pour qu'il soit plus petit. Faut que t'ailles, quand tu vas sur le table, tu vas dans un coin du table et en fait, bah, tu le rétrécis par là où tu veux en fait. Le combat repasse à une vitesse de 80 km/h. De quoi? Sur quelle touche? T'as pas de touche à appuyer, c'est avec ton clic souris gauche. Tu cliques enfoncé dessus. Comme si que t'étais sur une page internet et que tu rétrécissais la page. Par contre, faites gaffe, il y en a un qui fait du regban en face. Attention, il y en a un qui fait du regban en face. Roulez correctement, s'il vous plaît, merci. Tu peux aller me refaire, si tu crois qu'il va nous, si tu crois qu'il va nous avoir, celui-là. Nous allons nous arrêter, après le prochain péage en alignement afin d'effectuer les photos du convoi.
Alors, il y en a deux qui se mettent à gauche et un qui se met derrière moi. Sur les places de stationnement, bien sûr. Ne vous battez pas pour la place derrière le chef. Hein. Surtout. Mais du coup, là, Jordan, tu me mets à gauche ou à droite? De quoi? Tu me mets derrière toi, du coup. Ouais, bah, mets-toi derrière moi, Jess. À moins que, je sais pas, Mehdi, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, c'est pour ça. Bah Mehdi se met derrière... Mehdi, tu te mets où? Mehdi, tu te mets où? Mehdi, je peux bouger, hein. Ça va taper. Ça va taper. On n'est pas en collision, hein, attention. Tu veux te mettre où, Mehdi? Jordan, de se mettre entre Mehdi et moi. Jess, t'es là? Quoi? Jess, t'es là? Je suis là. Mets-toi entre Mehdi et moi. C'est mieux pour la photo. Quand tu me entendais des captures, en fait, c'est à chaque fois que j'appuie sur le touche, ça fait une capture. C'est bizarre. La place. Mehdi, attends. Mehdi, attends s'il te plaît. Reste comme ça, Mehdi. Non, Mehdi, s'il te plaît, reste comme ça. Mehdi, reste comme ça, reste. Bouge pas. Mehdi, s'il te plaît, reste comme ça. Mehdi, bouge pas. Jordan, tu peux en passer un petit peu, s'il te plaît. Mehdi, non. Les photographes. Jess, reviens un peu en arrière, s'il te plaît. Pour t'aligner avec nous. Oh. Jess, qui est parti. On a perdu Jess. Allô. Il a quitté. Il a eu. Un déco, c'est sûr. Jess, t'es là, tu reviens? Jess, t'es mort. Même sur Discord, il n'est pas là. Ah, il n'est pas là sur Discord? Non. Moi, je le vois. Oui, je le vois, mais il parle pas, il nous entend pas. Ah. Donc, c'est sûr que c'est dû à un problème de connexion. Oui.
bah du coup, on va repartir. Ok, vas-y. Nous allons repartir à une vitesse de 80 km/h. Jess? Allo, allo? Le convoi ira toujours tout droit jusqu'aux prochaines informations. Tu peux te mettre à 90, on est qu'à 3 là. Le convoi passe à une vitesse de 90 km/h. Merci, c'est gentil. Et bien du coup, ma quoi elle a crash, alors je me croque. Ouais, bah nous on est reparti, Jess. Tu rejoins ou pas? On l'attend. Ouais, je vais essayer de rejoindre. Le convoi s'arrêtera sur bande d'arrêt d'urgence après l'intersection. Nous nous arrêterons plutôt à la station service. Du coup, Jess, on est à une station service plus loin. Ok. Je lag énormément. Je sais pas ce qui s'était passé, mais à chaque fois que j'appuyais sur une touche, je prenais une capture. Ah.
C'est comme quand je vais arriver sur Calais, attendez-vous à ce que je quitte et que je sois quitte. Pourquoi? Bah parce qu'avec ma connexion. Ah ouais. Et ouais, de base en moyenne je suis à 50 de ping alors. Par contre, Jess, est-ce que tu peux baisser le volume de ton son du jeu? Ouais. Mais quand je roule, normalement, vous ne l'entendez pas, si? Normalement, non. Ouais, bah, c'est pas. Après, je l'entends presque pas, moi. Bah alors, Mehdi, qu'est-ce que tu fous là? Eh, hey, Mehdi, qu'est-ce que tu fous là? En contresens? Elle est un peu loin la station service, non? Bah t'as combien de kilomètres? 150. Combien? À 460, sachant que après je dois aller à Douvres. 460. Ouais. Ouais non, ça va, c'est pas loin, t'es pas loin. C'est toujours tout droit. Ouais. Jordan, s'il te plaît, profite pour faire quelques photos. Ouais, t'inquiète. Le truc hyper bizarre, c'est à chaque fois que j'appuie sur une touche, ça faisait capture d'écran. Voilà quelques captures d'écran pour le dossier de On ne tourne pas encore sur le table. Et la gauche. Vous êtes arrivé. Enfin, vous êtes à la première station de service. Ah ouais, c'est bon. Tu me vois? C'est bon, vous pouvez y aller. Là, qu'on va réparer une vitesse à 80 km/h.
Attention, nous prendrons la prochaine sortie. La prochaine sortie. À droite. À droite. Le convoi s'arrête sur le côté. Au pire, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire demi-tour et il pousse parce que là. Ah non, c'est bon. Wow. Le camion était bloqué, mais genre. Il n'y avait rien qui le bloquait. Quoi. Bloqué dans le vide. Préparez-vous à tourner à gauche. Le convoi repart à une vitesse de 80 km/h. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Me dis pas qu'il y en a un qui est passé dans la station. Mehdi, il est où? Mehdi, il est juste devant. T'inquiète, il suit. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Oh, il est beau ce truc. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Prochaine intersection, nous irons à gauche. Ralentissement du convoi à 50 km/h. Ah
Attention, nous prendrons direction Paris. À tourner à droite. La sortie à droite. La sortie à droite. Tournez à droite. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Nous repassons à une vitesse de 80 km/h. 80 km/h. Il nous reste 215 km avant d'arriver à Calais. Et nous passons à une vitesse de 90 km/h. À Calais, peut-être, il y aura beaucoup de monde, Jordan. Ouais, il y aura du monde à Calais. Dans tous les cas. Oh, il y aura au moins plus de 50 personnes. Nous prendrons la sortie direction Calais. Direction Calais. Sur la deuxième. Sur la deuxième. Tenez la croix. Attention au ralentissement du convoi à 50 km/h. Le convoi repasse à une vitesse de 80 km/h. Et pour répondre à ta question, Jess, à Calais, il y a 47 personnes. À Duisbourg, il y a 61 personnes. Et sur la route Calais-Duisbourg, il y a 118 personnes. C'est le bordel. J'ai essayé de la faire, mais bon. Et comment vous puissiez savoir tout ça? En fait, c'est une application sur smartphone, là, sur Play Store. Ça s'appelle Truki, l'application. Tu l'installes et après, tu vois la carte en temps réel et tu vois sur chaque serveur là où il y a le plus de trafic. Et dans chaque ville, tu vois où il y a du trafic. Putain, il lag!
Mehdi, il a lagué. Mehdi, s'il te plaît, distance de sécurité, s'il te plaît. Merci. Merci. On voit quand on arrive sur Calais qu'il y a un peu plus de monde que tout à l'heure. Oh putain, quoi. Attention, un camion, faut qu'il double, Jordan. Là voilà, ça va être la fin de la vidéo, la fin du convoi. Le convoi arrive à un péage. Attention, ralentissement du convoi. Pour les télépasses, ce sera tout droit. Pour les télépasses, ce sera tout droit. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Là, on est à 100 bornes. 100 bornes, ok. Ouais. J'en ai 150. Donc, on va repasser une vitesse de 80 km/h après le péage. Attention, nous arrivons à la fin du convoi. Sur la fin de la route, nous aurons du monde. Attention aux distances de sécurité. T'as dit quoi, Jess? Moi, je vous quitte ici, je prends le ferry. Ok. Ok. Attention, nous prendrons la prochaine sortie direction Calais-Port. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a même un blocage de monde. Pour la sécurité de tous, le convoi n'aura pas de vitesse. Ceci dépendra de la circulation. Ensuite, une fois passé la boucle, nous irons à droite. Et nous nous arrêterons puisque nous faisons face à un accident, un petit imprévu du convoi. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Vas-y, vas-y.
Veuillez serrer la droite pour le convoi. Recherche d'un nouvel itinéraire. King. Oui. Pierre, tu m'ajoutes sur Discord. Mehdi, Mehdi. Ah non, c'est bon. Et Jordan, du coup, le convoi de mercredi prochain, dimanche, il n'y a pas de convoi. Ouais. Ça sera où? Ça sera où? Aucune idée. Pour le moment, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai, on roule là. Ah oui. Oh là 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 là. C'est vrai qu'on roule à gauche en Angleterre. Je suis plus loin. Le convoi de Dijon-Brest-Calais est arrivé à destination. Veuillez respecter la limitation. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la regarder. N'oubliez pas dimanche, ouverture du serveur farming qui sera bien sûr en vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi et je vous dis à plus tout le monde. Ciao ciao.